C'est parti pour Scars Above. Let's go. Let's go, let's go. Alors. Mad Head King. Ok. Là, ça a l'air d'être déjà un peu plus conséquent en termes de budget. C'est quoi tes 5 jeux, Nat-Nat? Aim Assist, Key Binding. Ok, on va passer en anglais. Bah, je suis déjà en anglais, de toute façon, c'est très bien. Ok, donc jouable à la manette, jouable au clavier. Ouais, là, le jeu, on sent qu'on est déjà sur du... On est sur du plus... C'est du plus gros budget, quoi. C'est pas du petit indé, là. J'ai mis sur Discord. Easy, normal, hard. On est en normal. Ah, attends, tu as mis sur Discord. Voyons voir ça. C'est quoi tes 5 jeux? Alors, Nat-Nat, elle va tester. Storyteller, Diluvian Wind, Floodland, Dredge et Against the Storm. Ça marche. Mais écoute, amuse-toi bien. Ça roule, ça roule. Tu lances vers quelle heure? Bon, clairement, graphiquement, c'est pas pareil que les autres jeux qu'on a fait, hein. Ça marche. Ah, mon visage me démange tellement. Commander Robinson? Tam? Mike? Anyone? Where are you? What is this place? Ok. What's happened? Cyan. Done. Who was that? Where am I? Qu'est-ce qui lui arrive à la madame là? Oh. Wait. Ils nous font du Hellblade. Petit tuto, ok. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être juste du jeu d'action-aventure pouvoir. Après, ça peut être sympa. Hein. À la troisième personne. On va voir si on fait un meilleur gameplay que les mecs d'Uncharted. Spoiler alert, ce sera pas très dur. Un peu poupée, ouais. Quelle planète est-ce? The Metahedron. Mais c'est pas moche, écoute. C'était du double A, tu vois. J'attends qu'il me file des armes là pour détruire les trucs. On fait une gladiateur là avec la main dans les blés. Some sort of alien structure. Et... Ah. What is going on? Ça part en mode SF hard. Chapitre 1. La peur vous maintient éveillé. Vous maintient en alerte. Attendez deux secondes. Hop, on est bon. J'ai bien toujours le chat, c'est bon. Gar, emergency signal. It must be someone from the team. I have to get to them. Ok. The debris. J'ai encore devoir moucher, je suis désolé. Hein. Sous ma vidéo YouTube, ça va pas être. It must have splintered off when the ship entered the atmosphere. Ah.
Ouais, SM Hard. Oula. What? A Scarfield backpack. C'est chelou la manière de de looter. Can cut through even the toughest materials. Ok. Pas banal la manière de looter. Mais d'accord. Why not, c'est super. Salut. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse taper comme ça. Genre avec des dégâts affichés et tout. They're dead. Log entry. A joint legged invertebrate life form, similar to arachnida. Bah, il y avait une vigne devant elle après, toute. Seems to move in groups. Il y a un petit côté Returnal pour l'instant. But there's no obvious locking mechanism. Log entry. The gate has an internal conduction system. The three points on the rim seem sensitive. A targeted blast of electricity could cause a reaction. Ah, ça coupe les mobs, écoute, hein. C'est déjà pas si mal. Log entry. This plant doesn't have any chloroplasts, which means it can't conduct photosynthesis. Y'a quoi là-dedans? Rien. Ok, on va couper les vignes. Bon, là, je vous avoue que pour l'instant, pour la démo, l'histoire Osef, je suis la suivrai évidemment dans la partie finale. C'est vraiment pas banal leur manière de regarder. Comment ouvrir le coffre? Oh! Hello! Feedback est bon. Ok. Le feedback a l'air très bon. Wet combo, intéressant, il y a des effets. Je faisais de la foudre, elle était dans la flotte, donc ça faisait plus de dégâts. Intéressant. Vivement que je récupère mon écran, parce que là les problèmes de tirings sont insupportables. Presque. Ouais, je vais en mettre le G-Sync en fait. Je peux... Toxicity. Open the gate, ça va être bon maintenant, c'est ça? Ok, ça a l'air d'avoir de la gueule ce jeu pour l'instant. Hein. Wow. Ah, un dash. Nice. Ah, imaginez vous balader là-dedans. Ah, c'est, elle a l'impression de voyager à travers les entrailles. Enfin, ah, par contre, les balles vont commencer à manquer là dans pas longtemps. Log entry. Large joint-legged organism. The chemicals in its abdomen can create an explosion when heated to a certain temperature. Ok. Alors, on va aller voir les de gauche, il ne reste plus que 10 balles là. Je vais en faire avec ça. Ah. Galvanic extract. Ok, donc là j'ai des. Ah, ils se font chier sur la description. Pas mal de texte et tout. Un bestiaire pour les mobs. Je sais même plus ce que c'est First Descendant. Je sais pas si j'avais regardé en vrai. T'as un inventaire, ok. I can be used as electric ammo. Ah bah tiens, oui, ah, ok. Donc là j'ai des munitions justement. Alors, Alien Pillar. Approach Pillar to use them as a respawn case. Oh! Attends, les pilars te rendent toute ta vie. En fait, les pilars, ils sont comme les feux de camp dans un Dark Soul. Attendez, what? Activer le pilar. Je commence à être très intrigué là par ce jeu là. Some kind of flesh-like webbing. I have to break through it. Log entry. Strong organic tissue, but the blisters appear to be filled with diethyl ether. Most likely flammable. C'est pas ça. Euh...
plein de compos à checker. Log entry. I found a strange alien cube. It's emitting neural waves. This means it has the potential to send information directly to the brain. Comment je la passe? Je pensais que c'était avec... Ah! Il y a un truc à droite. Ah! Sympa. Elle a pas peur, hein, la miss, en tout cas. Elle est moins courageuse, là. C'est The Finals, moi, pour le coup, pour lequel j'avais apply. Jamais une news non plus, là. Log entry. This is a bio-vessel for an indigenous creature. The shell seems highly combustible. It contains an organism that is almost... Ah, je suis le câble là du Hermès, ok. Hermès câble. Je vais au bon endroit. This equipment, it's from the Hermes, but we were there just an hour ago. The whole place is covered with some kind of organic residue. Et des notes à propos. Et merci Fatal pour le 55e mois d'abonnement. Repose-toi quand même, à ton âge, 55 ans. Commander Richard Robinson. Comme ton nombre de sub, c'est quand même pas raisonnable. Ever since I left the Hermes, it's been getting worse. The growth. I have to get it off. I've salvaged some electrical components. I might be able to craft an incendiary device with the MPU. Burn the growth. The body must be cleansed. Ever since he left the Hermes, but we were just there. He sounds different, enraged. Comment je quitte? Allez. Ah bah attends, c'est ça, hein. Ah. Attends, un rhume, t'imagines, hein. On s'en remet pas un truc pareil, hein. Regarde-moi mes allergies, je suis à deux à d'y passer aussi, hein. Yes, I can print a custom meter with the MPU. Connect it with the thermic module and attach it all to the welder's frame. Attends, thermic charge. Ok, donc je vais avoir maintenant... Ok. Donc j'ai l'arme de foudre et maintenant l'arme de feu. Dark and Darker, on va être dessus le 28 direct. Hein. Ok, attends, je peux cramer les mobs. Écoutez, pour l'instant, Scars Above, alors c'est presque pas une démo en fait. Enfin, c'est une démo plus quand même du jeu. Hein. Ça a l'air d'être vraiment le début du jeu. Bon. What, où ça? Oh. Allez, trucs dégueux. Il y a des trucs dégueux qui vont apparaître. Plus une intro, ouais. You again. On va le démonter, Dark and Darker. Pas de pitié ici. On va même faire des sessions avec la commu et tout, ça va être très cool. Ça va être très très cool. Arakid Scorpio Head, sympa. Récupère les compos sur les mobs, d'accord. Bon, je suis à moitié crevé là en fait. Y'a pas d'huile, quelque chose là? Abilities. Attendez.
Ok, donc c'est quand même, c'est bien action-aventure, mais c'est un action-aventure quand même... C'est plus, quoi. C'est de l'action-aventure, on dirait un peu RPG light. Hein. En bien, hein. Avec, donc, on va pouvoir peut-être customiser les armes. Avec cette notion de quand même des pales de points de talent. On va voir. Je ne vois pas les energy points sur cette gate. Perhaps they're on the other side. Well done, Kate. You can do this. You can do this, Kate. Yes, you can. How far would you go? Et ma vie est quasiment finie là, je vais crever là. Ah, résistance booster, attendez. Comment je me heal là, au secours? Consumable, ah. Mais... j'arrive pas à utiliser? Je comprends pas. F to use. C'est Jackers, mais je fais F, je vous jure. Je vais crever. Attendez. F to use. Même en QRT, ça reste F, reste F. Ça, c'est dommage qu'il marche pas là. Là, Dragon X a essayé d'écrire un truc. En jeu, fait F ou A. Ah, c'est pas sur la barre, d'accord, ok, merci. Yes, yes, yes. Oh putain, eh ben c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est genre un roguelike ou pas? Ou je reviens en arrière, je reviens au pylône, et je dois tout refaire. Comment ça se passe? Est-ce que la mort fait partie du jeu? Dissolve. Ok, non, c'est pas un roguelike, du coup, d'accord, je récupère. Par contre, j'ai eu un point de... Ok. Je vais avancer un peu, bah c'est le Morales. Toi c'est Q, pas pour Agile, c'était FF. Mais je vais avancer un petit peu, parce que j'ai envie de passer aussi à un autre jeu, mais il est très cool, c'est juste que... globalement maintenant j'ai juste envie de voir le jeu quoi. D'ailleurs il sort pour quand celui-là? Scars Above. Comic Soon, d'accord, on n'a pas de... Alors, Madden Games, ça me dit un truc. J'ai déjà joué leur jeu je crois. Mama Tuva, how far would you go in the search for answers? Résistance. Yes, pas de soucis. Consumable, oui, j'ai compris. Wow. C'est bon. Il y a un truc là dans l'eau, non? Il est où? Là. Ah putain! Brillez, bande de bâtards! Gratte en plus. Ah. Hold on, Kate. You can do this. Je suis bien là côté vie. Ah oui, ok. Là, avec A je me heal, avec F j'enlève les effets négatifs. D'accord. Ok. On est bon. C'est plus clair maintenant. Et là j'ai un niveau, je crois, par contre. Ouais, maintenant j'ai eu un point de talent. D'accord. Xénobiologie ou engineering? Alors, constitution, la point de vie, backpack, force. Les dégâts, les armes font 15% de dégâts en plus. Oh là, il y a des trucs. Hein. Vas-y, on va augmenter les points de vie. Hein. Oh, blague. Ok. J'ai vu qu'on pouvait reset aussi. J'ai l'impression que c'est avec le knowledge, enfin avec la... Ah, ça a l'air fat là. Ok, là c'est de l'huile. Et ça on sait pas ce que c'est. Je vais attendre de voir s'il y a un boss. On fait encore quelques minutes, voir s'il y a un boss. Mais globalement, j'ai vu ce que je voulais voir. Le jeu a l'air très bon, encore une fois. Enfin, c'est presque chiant, on fait que les bons jeux aujourd'hui.
C'est, ils sont frustrants, non? Tous les jeux, ils sont bien, ils sont intéressants. Ça en est presque frustrant. Non, je déconne. Ah, mais je fais pas de dégâts là. Pas de jeu. Bah. Ah, que le truc est éclaté. Non. Pour l'instant, tout est très sympa, une queue, hein. C'est terrible, hein. Pour l'instant, c'est cool, ça marche bien. Putain, je vais crever. C'est bien, pareil. Hop. Eh bah, c'est. On va te montrer après, Jackers. Eh ben écoutez, c'était Scars Above. Pour les besoins de la journée, j'arrête là. Sinon, pour le coup, j'aurais continué. Mais en vrai, ça me donne juste envie de jouer au jeu. Tout court. Étant donné qu'il a l'air fort sympathique. Donc la démo est comme toujours disponible dans le Steam NeoFest. Scars Above. Et pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie.